de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir. Dans ce journal, nous allons parler de l'implication de la population dans la mise en œuvre effective du plan de développement communal de Thiéville. Piratage et hacking, que veulent dire ces deux termes de l'informatique? Les réponses dans ce journal. Aussi, la bibliothèque allemande de Thiéville organise une journée récréative de lecture et de jeux samedi 18 juillet. Radio Horizon à Thiéville sur 101.1. Bienvenue à toutes et à tous. Le développement des titres. Depuis l'adoption du plan de développement de la commune de Thiéville il y a quelques mois, les autorités, services déconcentrés de l'État et les organisations de la société civile sont à pied d'œuvre pour gagner le pari du développement. Selon le conseiller technique national du programme Décentralisation et Bonne Gouvernance PRODEG de la GIZ à Thiéville, l'engagement des populations est très important pour l'atteinte des objectifs du PDC. Monsieur Aoumé Roland. Chacun doit se poser maintenant la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour le développement de mon quartier. Et au moment où cette question sera posée et répondue par chacun, on prend maintenant la décision, on s'engage pour mener des actions en vue du développement. Donc ce que nous pouvons dire aujourd'hui, il faut que la population soit mobilisée. Personne ne viendra faire le développement de Thiéville à leur place. Il faut qu'ils soient mobilisés, il faut qu'ils puissent travailler en accord avec la mairie pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Et quand on parle de mobilisation, il y a deux types de mobilisation. Il y a la mobilisation physique. Quand je parle de physique, c'est que les gens doivent sortir quand on les appelle pour les travaux communautaires. Et aussi, il y a la mobilisation financière. Et là, nous faisons un clin d'œil aux contribuables, ceux qui exercent des activités génératrices de revenus, qui sont sujets au paiement des taxes et impôts, pour qu'ils ne fuient pas au moment où les gendarmes de recouvrement de la mairie vont sortir. Donc, nous ne cesserons jamais de le dire. Nous le disons, la mobilisation se fait à deux niveaux. Il faut que la population réponde aux appels des chefs et des CDQ existants, et aussi pour qu'ils puissent mobiliser financièrement pour soutenir le développement de leur quartier. Les populations, une fois qu'elles sont conscientes qu'ils ont en main le projet de développement, doivent mettre tous les moyens en œuvre pour que ce soit le cas, en posant des actes civiques, peut-être par exemple pour ne pas jeter les ordures dans les caniveaux, dans les rues, en mettant si possible leurs connaissances, leurs carnets d'adresse à la disposition des responsables des quartiers, afin que ceux-ci puissent rentrer en contact avec ceux qui peuvent éventuellement les appuyer. Mais ce que nous disons fondamentalement, c'est que les populations doivent compter sur elles-mêmes d'abord avant de chercher l'appui à l'extérieur. Monsieur Aoumé Roland, conseiller technique national du programme Décentralisation et Bonne Gouvernance PRODEG de la GIZ à Thiéville. La voix du Zéro. L'outil informatique n'est pas sans risque pour l'utilisateur. Ces informations peuvent être utilisées à mauvaise fin sur Internet. Dans la cybercriminalité, deux termes reviennent souvent, piratage et hacking. Que veulent dire ces deux termes? Monsieur Yaovi Darwin, chargé de communication de l'entreprise HSAD. Pirater, comme on le dit, c'est un terme qui a été emprunté au langage des corsaires. Je veux parler des pirates. Le terme est utilisé pour essayer d'illustrer le fait pour une personne de rentrer dans un système, dans une base de données d'une entreprise, d'une autre structure et de prendre des informations frauduleusement à travers l'Internet. Le hacking, c'est un hacker. Un hacker, c'est un terme qui est né pour désigner une personne qui essaie de prendre des informations, de soutirer des informations dont il n'a pas normalement le droit d'auteur, il le soustrait et peut-être faire ce qu'il veut avec. Soit il le met comme ça sur le net pour que tout le monde puisse le voir, ou ensuite il utilise ces informations pour après tout essayer de mettre la pression sur l'entreprise ou sur une structure donnée. Monsieur Yaovi Darwin, chargé de communication de l'entreprise HSAD. La voix du Zio. Un nouveau-né dans une famille procure généralement la joie. Les malaises, les maladies, les pleurs font partie de son quotidien. Les pleurs, manifestation des besoins de bébé, perturbent certains parents, surtout la nuit. Selon les professionnels de santé, c'est une situation normale qui incombe la responsabilité des deux parents. Madame Messan Kafui, sage-femme d'État à la polyclinique de Thiéville.
Les nouveaux-nés, ils ont une vie un peu différente de la vie des adultes. Parce que, au moins avant les 4 premiers mois, les nouveaux-nés ne font rien comme activité. Ça fait qu'ils ne sont pas trop fatigués. Ça fait que dans la journée, quand ils dorment, la nuit, ils sont éveillés. Et c'est le moment où le papa veut dormir ou bien la maman veut se reposer un peu, que lui commence par faire ses gymnastiques. Il y a des nouveaux-nés qui ont vraiment de ce problème et qui font gêner les parents la nuit. Mais dans la plus grande des cas, c'est normal, c'est cri. Parce qu'il veut s'amuser, mais il ne voit personne. Il voit que tout le monde dort à côté de lui, donc ça fait que il doit crier pour vous réveiller. Donc ce qui est important, c'est d'être à deux et supporter cela. Mais ce que nous remarquons souvent, c'est que nos papas fuient souvent ses responsabilités et ils croient que c'est la maman seule qui doit endosser ses responsabilités. Mais quand c'est à deux, c'est vite fait quoi, c'est bien. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Les grandes vacances, c'est dans quelques jours après la proclamation des résultats du probatoire qui débute mardi prochain. Les élèves doivent mettre cette période à profit et les parents ont aussi leur rôle à jouer. Monsieur Assa Komi Venounier, proviseur du lycée de Thiviers 1. Disons que la période des vacances est une période où le chef d'établissement ou l'enseignant n'a plus d'emprise sur les apprenants. C'est là où l'action des parents est déterminante. Il revient alors aux parents d'être plus regardants sur les activités que mènent leurs enfants pendant cette période, de suivre avec attention leurs mouvements, leurs fréquentations, de ne pas se lasser de leur prodiguer des conseils, ne pas avoir peur d'eux, quel que soit leur âge et leur niveau, de ne pas leur laisser toute la liberté parce qu'ils sont en vacances. Le manque de vigilance des parents peut entraîner les enfants vers des déviances qui peuvent impacter négativement leur avenir. Ce sont les jeunes filles qui sont plus exposées pendant cette période de vacances. D'autres s'en sortent avec des grossesses, des maladies sexuellement transmissibles, des avortements provoqués qui les rendent à jamais stériles ou qui sont cause de décès. Nous invitons donc les parents qui constituent une partie essentielle du système éducatif d'être vigilants vis-à-vis des enfants pendant les vacances pour que ces enfants qui constituent nos premières richesses puissent tirer meilleure partie des périodes de vacances pour aborder la nouvelle année scolaire dans de très bonnes conditions avec une sérénité totale. Nous remercions M. Assa Komi Venounier, proviseur du lycée de Thiviers 1. Dans le souci de récréer les élèves et de relever leur niveau de lecture en cette période de vacances, la Bibliothèque allemande de Thiviers organise samedi 18 juillet une journée récréative de lecture et de jeu. Madame Ahama Christine, responsable de la Bibliothèque allemande de Thiviers. Nous sommes dans les vacances, donc j'aimerais récréer les élèves, les enfants, surtout les adolescents de Thiviers et de ses environs, pour une journée récréative remplie de jeux divers, surtout je veux baser sur la lecture. Et nous allons cerner les meilleurs lecteurs pour leur donner des prix, les encourager à venir fréquenter la bibliothèque, leur signifier que la bibliothèque est ouverte pendant les vacances. Alors je lance un appel à tous les enfants et à tous les adolescents de Thiviers et de ses environs à venir massivement ce samedi 18 juillet 2015 à partir de 8h. Nous avons déjà commencé les inscriptions à la bibliothèque allemande. Madame Ahama lance un appel à tous les élèves et étudiants à ne pas rater cette journée. Elle demande l'accompagnement des parents. Nous allons faire beaucoup de jeux. Il y a un jeu de Tip Toy. Donc, je veux que les enfants viennent, même les grands, viennent découvrir ce jeu que nous appelons le jeu de Tip Toy. C'est un jeu dont le bic parle à notre place et non pas à nous-mêmes. Et en ce temps, nous avons de nouveaux documents à notre niveau. Les étudiants peuvent venir les lire, les découvrir à la bibliothèque allemande. Beaucoup de surprises les attendent. Les jeunes bacheliers et bachelières qui viennent de décrocher leur bac peuvent passer à la bibliothèque allemande. La bibliothèque allemande, c'est un grand réservoir de jeux où se mêle, s'entremêle la distraction. Rappelons que cette journée récréative va avoir lieu le samedi 18 juillet 2015 à 8h précises à la bibliothèque allemande de Thiviers-Webé.
La Voix du Zéro. Pour la sixième année consécutive, l'association Jeunesse Citoyenne a répondu présent aux côtés de nouveaux bacheliers. Ces jeunes admis à l'examen du baccalauréat deuxième partie doivent à présent faire la différence entre la vie scolaire et celle estudiantine. À cet effet, l'association Jeunesse Citoyenne a organisé une séance de formation à leur endroit ce matin au lycée Thiévier 1. Plusieurs sujets, dont le système LMD, ont meublé la rencontre. Monsieur Tipotou Komi, président de l'association Jeunesse Citoyenne. Nous les avons appelés ce matin pour leur expliquer les conditions dans lesquelles ils doivent se mettre pour réussir leur vie professionnelle et universitaire. L'LMD dont ils entendent parler n'est pas une foule de guet, c'est un bon système. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail à l'étudiant, mais à la fin, il y a beaucoup d'avantages. L'essentiel, c'est de réussir. Et pour réussir, il faut travailler. Et sûrement qu'ils vont s'en sortir avec leur licence, avec leur master, avec leur doctorat, pour qu'ensemble, nous construisons notre pays. L'autre élément aussi important sur lequel a porté la rencontre est le choix des filières. Monsieur Tipotou Komi. Le choix des filières à l'université est très important parce que ce choix va impacter sur toute la vie. C'est pourquoi nous demandons à nos frères qui ont le bac cette année de ne pas suivre aveuglement les amis. Si vous avez un bac, il faut d'abord analyser. Il faut voir vos compétences et vos ambitions. Ce n'est pas parce que moi j'ai le bac C, bien bac D, et qu'un ami veut faire par exemple les maths, que moi je dois le suivre. Parce que quand prenez quelqu'un qui a le bac ou bien deux personnes qui ont le bac, quelqu'un a bien travaillé par exemple en maths que l'autre. Forcément que leur choix à l'université doit être normalement différent. Donc c'est très important. Ne faites pas des choix en fonction de l'amitié. Vous allez sur le site de l'université de Lomé et vous avez toutes les offres de formation à l'université avec les compétences requises pour ces facultés-là. Et nous disons aux amis qui veulent faire le BTS que actuellement le BTS, il y a eu des réformes. À l'université maintenant, quand tu fais un BTS, si tu as même 18 de moyenne, si tu n'as pas 12 dans ta matière de base, on te délivre pas le diplôme. Donc, avant de choisir même des filières dans les BTS, il faut aussi réfléchir. Monsieur Tipotou Komi, président de l'association Jeunesse Citoyenne. Les jeunes bacheliers présents à cette formation ont eu à exposer leurs inquiétudes aux formateurs. À la fin, certains d'entre eux nous ont donné leur impression. C'est une formation pour nous permettre à mieux choisir les filières à faire aussi, attaquer la vie étudiantine. Bon, LMD, ça peut pas m'effrayer parce que, vu l'explication, c'est un système nous permettant de mieux étudier, de mieux avancer dans nos études et de mieux planifier notre avenir. Je vais continuer avec l'université publique, la CIC ou l'INSI. Bon, un ingénieur en informatique, c'est aussi mes rêves. C'est très important pour moi de savoir à peu près ce que je vais faire. Ils nous ont initié sur les choix sur le campus. Pour moi, le système LMD, c'est bon. Parce que nous avons appris que avec le système LMD, si tu valides les matières, tu peux continuer dans d'autres pays. Je vais faire l'université de Lomé. Je pense faire FASEG parce que j'ai fait la G2, la gestion et la comptabilité. Je pense devenir une gestionnaire. Cette formation nous a éclairci sur le système LMD. Quand nous étions en classe de première, on nous faisait peur que c'est un système qui fait échouer beaucoup de gens et qui retarde aussi les études. Mais avec cette formation, on a vu que c'est plutôt le contraire. On a vu les avantages. Donc, je suis ravi de cette réunion et je sais que arrivé sur le campus, je saurai quoi faire et ça pourra m'aider. Ce sera l'université de Carra. Ce sera droit. J'aime lire les romans, tout ce qui concerne la lecture. Je compte devenir un juge. Rappelons que les inscriptions dans les universités publiques du Togo vont se dérouler du 6 septembre au 29 octobre 2015. Un effort peut être vain s'il est fait de la mauvaise manière. Parfois, il vaut mieux ouvrir ses oreilles et ses yeux, apprendre d'autrui de son expérience. À son tour, il faut savoir faire profiter notre prochain de notre expérience. C'est sur cette pensée de Françoise Dolto que nous clôturons cette édition. Merci de l'avoir suivie.
Présentation Séraphine Yovo, réalisation Gaëtan Amouzou. Bonne suite de le programme.